une jolie mère. Un jour, ce morceau de bois tomba par hasard dans les mains d'un petit vieillard alerte du nom de Geppetto. Et je vais travailler à ta place. Alors, Pinocchio se jeta par terre et ne voulut plus marcher. Je vous l'assure, Pinocchio risqua d'être transformé en bois brûlé. Ingénument, Pinocchio montra aux deux compères les pièces d'or que Mangefeu lui avait données. Il creusa un petit trou. Et il déposa les quatre pièces qui lui restaient. J'ai tant pleuré. Pardonne-moi, mon cher fils.